alors c'est un bon toréador. Allez, le mur lyonnais, placé par Grégory Coupé. Wanyu Eloa, près du ballon, mais ils sont nombreux, les lancers. Ils étaient 5 pour tirer le, ce coup franc. Voilà, ils sont plus que 4. Plus que 3. Voilà. Petit à petit, ça va se mettre en place. Alors, Eloa, back. Plus que 2. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va finir par savoir. Qui va tirer ce, ce coup franc. Ça peut être back. On est en train de se chauffer un petit peu entre les siens et Barul, là, dans le mur de l'Olympique Lyonnais. Peut-être la frappe de celui que vous venez d'apercevoir, Jacek Back, à moins que... Oui. Ah, il y en a un troisième qui est revenu. Et bien, ce sera Wanyu Eloa. Et le but. Et l'égalisation pour le Racing Club de Lens, signé Wanyu Eloa. Qui a son premier but en soi depuis son retour à Bollaert, son 23e en Ligue 1. Et Grégory Coupé qui n'a pas vu... Il n'a pas vu partir, il n'a même pas bougé. Il a regardé ce ballon retomber, il a été fixé, il l'attendait peut-être de l'autre côté. Et ben voilà qui relance le match sans, sans y être les Lensois. Voilà, c'est un coup franc à la Juninho, mais j'ai l'impression que le mur est un petit peu... est un petit peu décalé, ça a permis...